on avait oublié un petit peu que la vigne a une histoire et qu'à travers son histoire, on peut trouver peut-être des solutions pour le futur. La vigne, ce sont des milliers de cépages différents. Les hybrides qui ont été tant décriés peuvent apporter une solution aux problèmes de traitement dans les vignes. On travaille maintenant le clonage, c'est-à-dire toutes les vignes sont devenues des garnisons de petits clones, tous greffés, et les vignes vivent très peu, il faut renouveler leur cépagement tous les 25, 30, 35 ans, ce qui est très faible. La vigne peut vivre plus de 2 siècles sans aucun problème, a priori. Si on regarde l'histoire de la viticulture, la culture du monocépage est récente, elle date de la formation de 1956, en fait, où avant 1956, on avait une diversité phénoménale, enfin, surtout avant le phylloxéra, en fait. C'est le phylloxéra qui a détruit la viticulture française, où on avait une diversité énorme, régionale, avec dans chaque région une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de cépages utilisés. Les choix qui ont été faits ensuite de choisir quelques cépages par région pour qu'ils soient représentatifs d'une identité régionale a été intéressant dans un premier temps, puisque ça faisait une culture. On avait le Bordelais, on avait le Côte-du-Rhône, l'Alsace, la Bourgogne, avec une typologie, une typicité très particulière, mais qui s'était réduite à quelques cépages par région. On a perdu à ce moment-là une diversité, et en même temps, on a fragilisé la profession, puisqu'on se trouve dans le cas de figure où avec 2 ou 3 cépages, ou 3 ou 4 cépages, clonés, l'introduction de maladies peut ravager rapidement un vignoble, sans qu'il y ait de possibilité non plus d'évolution par la sélection. Le travail de sélection est très important, mais doit se faire sur la masse. À partir du moment où on passe au clonage, une reproduction de quelques individus multipliés en très très grand nombre, on perd la biodiversité de l'espèce. On perd une partie de son évolution. Actuellement, c'est 180 millions de plants greffés qui sont produits chaque année en France. Et c'est l'INRA, et à part Agrimer, qui est responsable de la politique, enfin de recherche sur la viticulture, sur les futurs plants qu'on proposera aux vignerons. On pourrait multiplier par 100 ou par 1000 même la diversité en redonnant aux vignerons le métier, la possibilité de créer de nouveaux cépages, parce que de façon expérimentale, si dans chaque région, on travaillait la diversité par le biais de viticulteurs passionnés, et il y en a beaucoup, il y en a énormément partout, on pourrait probablement trouver des cépages intéressants pour le futur, biorésistants, en choisissant comme critère principal la biorésistance, de façon à éliminer les pesticides de la viticulture, de façon à avoir un produit plaisir, qui soit un produit sain. Il resterait uniquement la gestion de l'alcool, bien sûr. J'ai donc 2 vins différents à faire goûter ici. Donc le Jacquet, qui est un hybride de Vitis vinifera et de vigne sauvage américaine, et l'hybride dit Foxé, parfaitement, le Clinton, l'assemblage Clinton-Isabelle. Ce type de cépage ne nécessite aucun traitement. La réponse au problème des pesticides, elle est déjà là. La solution, elle existe déjà.